En fait, Lucide et Extra Lucide s'inscrivent dans une trilogie. À savoir qu'il y a Lucide qui est sorti en mars dernier, Extra Lucide qui est sorti là le 29 octobre, et je suis en train de préparer Trans Lucide. Trans -lucide. Le lien entre ces, entre ces trois, trois albums, c'est la thématique de la lucidité. Et pourquoi j'ai choisi la lucidité Parce que on est dans une époque euh, particulière, où avec la crise, euh, euh, le, le toutes ces inquiétudes qu'on a par rapport à l'écologie et tout ça, il euh, y a une espèce de catastrophisme ambiant, on se dit ouais demain c'est la fin du monde, et il euh, y en a qui vont jusqu'à penser que le calendrier maya, tout ça, bon, enfin bref. D'un autre côté, il y a des gens qui vivent dans, comme si de rien n'était, et comme si tout allait bien, qui sont dans une espèce d'euphorie constante de la vie, tout va bien, tout le monde mange à sa faim, alors qu'on voit très bien que ce n'est pas vrai. La lucidité, c'était d'essayer d'avoir un point de vue euh, bah, justement lucide pour ni être dans un catastrophisme exagéré, ni être dans, être un, dans un cynisme euh, enfin, abject. Et, euh, et euh, la lucidité, parce que euh, moi-même, je suis passé par des moments assez compliqués ces 3-4 dernières années, et que le fait de, de savoir repérer euh, ce qui allait bien et ce qui allait pas, c'est ce qui m'a servi moi de mieux me sentir dans ma peau. Donc c'est tout ce que je raconte à travers... Euh, pas mal de morceaux. Et, euh, et voilà le fil conducteur un petit peu de lucide, extra-lucide et translucide. Ouais, je dirais, je dirais que les trois sont homogènes, mais avec quand même des intensités différentes. C'est-à-dire que le lucide, c'est un petit peu la reconstruction. Euh, plutôt, c'est pas la reconstruction, c'est plutôt la prise de conscience. Là où extra-lucide, c'est la reconstruction. Et translucide, je l'imagine comme. Euh, bah essayer d'atteindre la constance et une espèce de, de, de plénitude dans sa vie, euh, c'est un, un, un peu ça la, la, la thématique des trois. Ouais, donc le son, j'ai travaillé avec Dave Devry, qui est un peu, déjà qui est mon DJ, qui est un ami et qui, euh, qui est un peu mon, mon, mon référent, qui a été mon référent à chaque étape de ce disque et, de, et du précédent, qui a lui aussi composé. Euh, des titres des titres sur l'album et j'ai co composé d'autres titres avec lui et on a travaillé avec Charles qui a mixé le tout et euh, voilà un petit peu mais maintenant après il y a d'autres gens il y a Medellin qui m'a envoyé qui a fait beaucoup de sons sur le disque il y a Blastar, il y a Diesel il y a Street Fabulous avec lesquels j'ai déjà travaillé euh, euh, pas mal de fois voilà c'est un petit peu c'est un petit peu mon c'est un petit peu mon équipe avec laquelle je travaille Wow, c'était chargé en émotions vraiment parce que déjà il faut savoir que c'était une date qui était complète une semaine avant la sortie du disque. Et moi ça me fait toujours, de faire, ça me fait toujours plaisir de faire des dates complètes parce que c'est comme quelqu'un qui te dit je t'aime alors qu'il ne t'a pas encore vu en fait. Et ça c'est... En tant qu'artiste c'est vraiment... Euh, enfin c'est... Ça fait vraiment du bien quoi. Et puis euh, en, en gros il y a eu d'abord la boule noire. Petite salle à Paris, ensuite le Trabendo que j'ai fait seul avec mon équipe, et ensuite le Bataclan. Et euh, c'est quelque chose donc d'exponentiel comme ça. Et, euh, et là, je prépare l'Olympia le 23 avril. Euh, donc le Bataclan, c'était quand même une étape importante dans le sens où c'est euh, 1500 personnes. Tu vois, c'est. Et euh, c'était pour, justement pour Lucide et Extra Lucide, même si je fais aussi des titres de mes albums précédents. Mais je sais pas, une... c'était quelque chose de magique ce soir-là. C'était vraiment. Il y a une espèce de communion avec le public. Enfin, c'était chouette. Vraiment, c'était chouette. Ah ouais, c'est lié, c'est lié. Maintenant, euh, je pense qu'il y a deux mondes. Pour moi, il y a le sans être dogmatique et manichéen mais il y a quand même le monde occidental et le reste du monde. Euh, on... la, la vision du monde ici n'est pas la même qu'en euh, Afrique ou euh, en Asie ou. Euh... Après, bon, il y a des similitudes, hein. l'être humain reste euh, euh, pareil dans ses travers, qu'il soit dans cette partie du monde-là ou dans cette partie du monde-là, mais je parle dans, dans, dans les travers collectifs, il y, a quand même, euh, il, y a, il y a quand même des distinctions et des différences à faire. Combien de temps ça parle vraiment de la société dans laquelle je suis aujourd'hui C'est une question que je pose, c'est-à-dire combien de temps encore on va accepter C'est-à-dire que tu parlais de de subir tout à l'heure, mais plus que subir, c'est accepter en fait, accepter d'être pris pris pour des cons par euh, pas mal d'industries, que ce soit, je pourrais même le dire, l'industrie du disque, l'industrie du divertissement, que ce soit euh, que ce soit euh, les relations au travail, euh, enfin voilà, le, même les les, les, les relations euh, dans la famille, le cynisme qu'il y a dans la famille, qui s'immisce partout, c'est euh, c'est ça que je que que je décris dans ce texte là, parce que euh, euh, c'est quelque chose qui me, qui me touche, qui m'affecte. Et, euh, et on, on s'y habitue en fait à voir des mauvaises choses, des sales choses, à voir le clochard qui dort dans la rue. On s'y habitue, on dit Ah, c'est la vie. Le, le cœur se renforce et puis on, on est même plus touché. On, on a l'impression que c'est normal, alors que c'est pas normal. c'est pas normal. Donc euh, voilà, ce morceau parle de ça. En fait, euh, ce qui s'est passé en 2009, c'est que euh, j'avais un ras-le-bol, en fait, euh, par rapport à la musique, j'avais perdu un peu pied sur euh, l'image qu'on que, qu avait de moi, je vivais des trucs pas très cool dans ma vie personnelle, et euh, j'avais envie, envie de m'essayer autre chose, et surtout de m'extirper d'un milieu que je trouvais euh, euh, vraiment pas propice à l'ouverture et tout ça, et que c'était... Enfin voilà, c'est trop compliqué, donc j'ai décidé de tourner la page. Et, euh, et, et vraiment, sincèrement, je voulais arrêter parce que je ne me reconnaissais plus dans cette musique-là, j'avais plus envie. Et euh, le fait de prendre du recul et de m'arrêter, c'est ce que j'explique dans le, le, le EP Lucide dans le morceau Un frigo, un cœur et des couilles, où je, je raconte pourquoi je suis revenu. Euh, C'est-à-dire que de la même manière sincère avec laquelle je suis parti, je suis revenu avec la même sincérité. C'est-à-dire que j'ai eu envie de revenir pour des raisons sincères aussi qui sont expliquées dans ce titre-là. Euh, mais ce n'est pas tout à fait. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu. C'est-à-dire que le rap que je fais aujourd'hui n'est pas tout à fait le même que celui que je faisais plus jeune, dans le sens où c'est un rap ouvert qui s'autorise à mettre des matières organiques comme des vraies batteries ou de la guitare et tout ça, et que les thèmes abordés vont au-delà de son, de mon bâtiment, de mon quartier, de donc voilà. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais vraiment dommage. Je trouve ça vraiment, si je parle franchement, je trouve ça stupide. C'est-à-dire que ça a porté en moulin. C'est euh, ce qu'il y a eu Rof, Booba, ensuite Booba, fouine euh, Déjà, ça, ça, ça donne une mauvaise image de notre musique. Euh, et puis, euh, on, je ne comprends pas pourquoi ils se battent en fait. C'est que des batailles d'ego. Euh, de, des batailles d'ego, de personnalité. De qui est plus vrai, qui est plus faux, qui est plus ci, qui est plus ça. À une époque où... Euh, où, euh, je, veux, je veux pas déplacer le problème, mais c'est réel, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un, comment on appelle ça, un, un rapport, je crois, des, 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 des secours catholiques, qui disaient que, euh, justement, le fossé, sans être caricatural, mais entre les pauvres et les riches, c'était même plus un fossé, c'était une crevasse, c'était, et qu'eux-mêmes le sentaient, dans la demande des gens par rapport aux secours catholiques, pareil pour les Restos du cœur. pareil pour, euh... donc je parlais de crise au début, je pense que, on n'est on est, on est plus au, au, au temps des crises d'ego et crises d'identitaire dans le rap. On, est, on vit dans une époque particulière. Le rap a toujours été une musique qui euh, dénonçait certaines choses. Et là, aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis « Waouh !» Tu vois l'état des quartiers, tu vois, euh, vois l'obscurantisme le, dans lequel tombent certains jeunes dans nos quartiers et tout ça. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de se battre pour savoir qui est le meilleur, qui est le chef du game, qui est le truc. Donc, euh, moi, ça me fait pitié, en fait. Franchement, si je parle vraiment franchement. Et surtout, ce qui me coeur, c'est que je sais que c'est des artistes qui, qui, euh, qui valent beaucoup mieux que ça. Quoi. Donc, c'est dommage. Ouais, en fait, je donne des cours de dramaturgie au théâtre de l'Odéon. Euh, à Paris et justement à des élèves en réinsertion scolaire, donc des jeunes issus de, 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 de milieux très populaires, de quartiers populaires, tout ça et tout. Et, euh, et justement, je voyais, je voyais la différence entre le, 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 la jeunesse de ma génération, donc 78-80, tout ça et tout, les rêves et les aspirations euh, qu'on avait, et même les, les chimères auxquelles on croyait et tout, et ceux et celles d'aujourd'hui. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui, qui, qui s'est passé où les jeunes sont désabusés. Enfin, eux-mêmes rentrent dans le cynisme, eux-mêmes se, se sont convaincus du regard que l'on portait sur eux. Enfin, enfin voilà, on est, on est tombé dans quelque chose d'assez grave, quoi. Et donc ces cours-là, c'était très intéressant parce qu'au départ, ben, les élèves ils s'en foutaient carrément du théâtre. Et puis petit à petit, en trouvant des angles intéressants, les valorisant et tout ça, eh ben j'arrivais à à les faire s'intéresser à eux-mêmes, au théâtre, et euh, à avoir un petit peu une vision de, du cinéma même et de, de la littérature autre. Et ça, c'est cool. En plus, dans le cadre du théâtre de l'Odéon, c'est fantastique. Ah, bah, bien sûr, hein, tu sais, pas le, le, le combat, c'est pas une mode qu'on prend, et puis après, on passe au printemps-hiver, la saison. Non, euh, cette combativité-là, elle est toujours là. Elle, euh, quand, quand tu sais que l'esclavagisme, il y en a encore en Mauritanie, il y en a encore dans plein de parties du monde. Et ça concerne pas que les noirs et tout ça et tout, ça concerne le, le, la traite des femmes, la traite de... Enfin tu vois... Bah forcément oui, moi ça me, ça me touche toujours autant, c'est ce que je raconte dans le morceau Salaud de Pauvre par exemple, je, je fais référence à toutes ces choses-là. Euh... Et oui, bah c'est d'ailleurs pour ça que je mets un cœur sur ma pochette, c'est-à-dire que... On pourrait croire que combattre, c'est que forcément dénoncer tout ça, mais essayer de, dans un monde assez chaotique et assez sombre, essayer d'apporter un peu de lumière, c'est une forme de combat aussi. Euh, et, enfin, euh, ce serait... J'ai pas assez de temps pour exprimer tout ce que, tout ce que je pourrais dire sur, sur ce sujet-là, tu vois, mais la part de combat, elle est belle et bien là, elle est définitivement là et elle m'habitera toujours. Sinon, ce serait tomber dans le cynisme et justement faire comme... Certains font rapper que pour moi, euh, les que de ma voiture et tout ça. Et c'est pas mon délire. Je l'ai déjà fait une fois. Pourquoi je le referais Si derrière ta question se cache, est-ce que euh, je m'inscris dans le discours de Dieu donné Pas du tout, parce que c'est pas ma forme, c'est pas ma forme de combat. Maintenant, je suis d'accord avec certaines choses qu'il évoque et. Et euh, je trouve dommage qu'on le autant. Euh, même si je peux comprendre que euh, ça, ça, ça touche certaines personnes, mais je pense que je pense que tout le monde a le droit à la parole et que euh, et que ostraciser un artiste c'est pas bon quoi. C'est pas, pas productif euh, parce que peut-être que peut-être que si on l'avait pas ostracisé aussi vite euh, peut-être qu'il n'aurait qu pas pris un certain chemin euh, donc, euh, donc voilà et euh, ça reste ça reste de toute façon le mec le plus le, 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 le comique le plus drôle euh, tout, tout comique confondu aujourd'hui voilà ça je sais pas encore mais bientôt en fait je suis en train de le préparer mais là c'est extra lucide c'est un album dense, un album de 20 titres. Donc euh, Translucide sera pour après, ça arrive dans les prochains mois, mais là c'est Extralucide.